Bonjour à tous. Quel est l'implant le plus rigide que l'on peut utiliser pour traiter la dysfonction érectile? S'agit-il de l'implant que l'on appelle semi-rigide, qui est l'implant le plus simple, ou au contraire de l'implant hydraulique? Eh bien, contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'implant semi-rigide n'est pas le plus rigide des deux, et c'est bien l'implant hydraulique qui offre la meilleure rigidité lorsqu'il est rempli à son maximum. Il s'agit alors d'un type de rigidité hydraulique qui est à peu près similaire à la rigidité obtenue par une érection lorsque celle-ci est forte. Il s'agit donc d'une rigidité liée à une accumulation de liquide, et qui n'a pas l'aspect à la palpation, l'aspect bizarre que pourrait avoir quelque chose de dur, un matériau dur en permanence. Les implants hydrauliques permettent donc d'avoir une verge en bonne érection avec un rendu à la palpation qui est d'allure naturelle, d'autant plus s'il s'agit d'un patient qui a pu préserver un certain degré de turgescence, c'est-à-dire de remplissage des vaisseaux de son pénis en dépit de son problème d'érection. On a dans ce cas les meilleurs résultats. L'implant hydraulique est donc le plus rigide des deux implants disponibles sur le marché. À bientôt.